Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour me laver les cheveux sans utiliser d'eau. Alors là, je vous vois déjà venir derrière vos écrans. Vous allez vous dire, encore une vidéo cheveux. Non mais franchement, les vidéos cheveux chez Beauté en Herbe, c'est complètement inutile. Déjà, il a plus de cheveux et en plus, on n'apprend rien du tout. C'est du n'importe quoi. Moi, je vous répondrai tout simplement que tester des produits pour les cheveux sur des cheveux qui sont sains, en bonne santé et qui sont magnifiques, ça ne vous permet pas de voir à travers votre écran si le produit est efficace ou non. Mais alors également, il y a ceux qui vont penser « Ah, se laver les cheveux sans utiliser d'eau. » Ah bah, c'est pas original, hein, Beauté en Herbe, de toute façon, il a plus d'idée pour sa chaîne. Hein. Ah bah oui, parce que le shampoing sec, ça fait longtemps que ça existe, et quinquinquin, et gna gna gna, et tic tic. Et moi je vous répondrai que non, ça fait pas longtemps que ça existe parce que là on va pas uniquement utiliser que du shampoing sec, on va également utiliser de l'après-shampoing sec sans rinçage de chez Baptiste. Oui, c'est une nouveauté, oui, ça fait un moment que je veux tester ce produit et oui, c'est Monsieur Beauté en Herbe qui a eu la gentillesse de me l'offrir. Parce qu'il a fait des courses chez Intermarché, un magasin où on va jamais, et il y en avait, et il y en avait à un prix qui était classique, on va dire. Le prix était classique. Je vais pas dire intéressant, parce que c'est pas du tout un prix intéressant, et je vais pas dire non plus que c'était pas cher, c'est pas vrai du tout, mais c'était le même prix que sur Amazon. Ce qui est déjà pas mal pour ce produit-là, parce que des fois en magasin, c'est encore plus cher. Donc là, il m'a dit, écoute, je te le prends. J'ai dit, bah écoute, prends-le, on en fera une vidéo. Bref, on va tester aujourd'hui l'après-shampoing sec sans rinçage de chez Baptiste. Dans ces cheveux-là, vous voyez, ceux que vous ne voyez pas parce qu'ils sont attachés là. Alors oui, mes cheveux sont sales. Ah, la blague. On teste un shampoing sec et un après-shampoing sec. Donc, il ne faut pas des cheveux qui viennent d'être lavés. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bref. Comment j'ai découvert ce petit après-shampoing sec sans rinçage de chez Baptiste? Eh bien, c'est tout simplement en regardant les vidéos de Sanana. Moi, j'ai vu une vidéo de Sanana qui a des cheveux magnifiques, dans laquelle elle utilisait ce produit et après elle avait des cheveux qui étaient encore plus magnifiques. Donc c'est vrai qu'on voyait une différence entre le avant et le après. Oui, mais voilà, Sanana a des beaux cheveux, donc bon, je me suis toujours demandé si c'était vraiment révolutionnaire ce produit. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai tout de suite couru sur internet pour voir où on pouvait se procurer ce produit. Normalement, il se vend en supermarché classique et également sur Amazon. Moi, en supermarché classique, je galère à le trouver, hein. Et c'est pas parce qu'il n'y en a plus et que les rayons sont vides. Il n'y a pas de rayons. Voilà. Donc ça commence seulement à arriver en supermarché 3 mois après la vidéo de Sanana, quoi. Je trouve toujours ça étrange de payer des influenceurs, parce que c'était une vidéo en partenariat, de payer des influenceurs pour faire de la pub pour un produit qui n'est pas disponible en magasin. C'est très, 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 très étrange. Bon, du coup, moi, je me suis rabattu sur Amazon. J'ai regardé sur Amazon. J'aurais pu le commander sur Amazon. Oui, mais voilà, moi, ce qui m'a toujours rebuté avec ce produit, c'est qu'il est très cher. Vous l'avez à 6 euros environ sur Amazon, 6 euros environ en magasin. Parfois, c'est 6,70. Parfois c'est 5,90, le moins cher étant sur Amazon, mais vous voyez, c'est pas une grosse ristourne que vous aurez si vous le commandez sur Amazon. Et alors vous allez me dire, oui, mais 6 euros pour une mousse pour les cheveux, Beauté en Herbe, tu es encore bien radin, ça va encore. Oui, mais non. Oh oui, mais non. Oh oui, mais non. Oh oui, mais non. Oui, non, parce que là, il n'y a que 100 ml, 88 g de produit. Alors, Baptiste, ils ont été forts hein, sur ce coup-là. Parce qu'ils ont fait un flacon qui est grand, qui est presque aussi grand qu'une mousse pour les cheveux classique, tout en mettant à l'intérieur uniquement que 88 g de produit. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Parce que là, j'ai 250 ml. Là, j'ai 100 ml. Autant vous dire que là, il y a plus du double. Et pourtant, quand on voit en rayon les deux flacons les uns à côté des autres, eh ben, on n'a pas l'impression qu'il y a autant de différence. Donc ça, c'est très fort chez Baptiste. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis que 100 ml dans ces bombes-là, sachant que les shampoings secs de chez Baptiste ont une contenance raisonnable. Là, j'ai 200 ml, par exemple. Alors, pareil, hein, on a l'impression que c'est la même chose. Hein, mais là, vous avez 200 ml, là, vous avez que 100 ml. Je vous mens pas, c'est marqué ici.
Alors, j'ai quand même une théorie hein, sur cette histoire, mais on va voir si cette théorie s'avère être vraie. Peut-être, toujours le bénéfice du doute, hein, mais peut-être que Baptiste a dépensé énormément en recherche et développement pour élaborer ce produit, ce qui nous permettrait d'avoir un produit qui a un résultat exceptionnel. Et forcément, la recherche et le développement, ça coûte. Donc, eh bien, ça se finance via le prix du produit et la quantité qui est quand même très petite. Ça, c'est une théorie, mais qui tombe un peu à l'eau quand je regarde la composition. J'ai clairement comparé une mousse classique vraiment pas chère, fabriquée en France, en plus, hein, de la marque Cosmia, c'est la marque de chez Auchan, avec la mousse de chez Baptiste, qui est fabriquée au Royaume-Uni. Et je dois dire qu'au niveau de la composition, il n'y a pas grande différence. Alors, vous avez pas exactement les mêmes composants dans les deux produits, mais vous avez des composants similaires. Je m'explique, c'est comme si dans une recette de gâteau, vous mettiez du sucre de canne ou du sucre blanc raffiné. Il y en a un qui est réputé pour être meilleur, il y en a un qui est réputé pour être plus basique, voire même pas très bon pour la santé. Après, est-ce que le sucre de canne, c'est vraiment bon pour la santé? Je ne sais pas, ça reste du sucre. Et est-ce qu'en tout cas, au final, vous allez avoir une grande différence au niveau du goût, au niveau de la réussite de votre recette? J'en suis pas persuadé non plus. Là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir des polycaternium 11, et de l'autre côté, eh bien, vous allez avoir du diméthicone. Alors là, en plus, c'est polycaternium et là c'est silicone, voyez. D'un côté vous allez avoir cocamidopropylbétaïne, un tensioactif, et là vous allez avoir du sodium lauryl sulfate. Alors là pour le coup, bon, celui-ci perd un point hein, parce que il y a du silicone, alors que là il y a des polycaterniums et il me semble que c'est quand même mieux. Par contre là ça perd un point parce qu'il y a sodium lauryl sulfate, alors que là c'est cocamidopropylbétaïne qui est réputé plus doux. Mais voyez, c'est kiff-kiff. La seule différence qu'on peut observer dans l'après-shampoing sec hein, de chez Baptiste, c'est que ça contient tout simplement, que je retrouve ça dans la composition, distarch phosphate. Oula, moi quand j'ai vu phosphate, je me suis posé une question parce que je me suis dit, mais on a interdit les phosphates dans les lessives, alors pourquoi en mettre dans de l'après? Non, en fait, c'est de l'amidon modifié. Donc, maïzena modifié pour ceux qui. Voilà, c'est de l'amidon de maïs ou de je ne sais pas quoi, mais modifié. C'est même pas de l'amidon naturel, c'est de l'amidon modifié. Et après également, on a de la poudre d'aloe vera, de feuilles d'aloe vera. Bon, c'est la seule différence. Mais remarquez, de l'autre côté, vous avez des trucs pas mal aussi. Hein, parce que là, vous avez de la niacinamide, vous avez du panthénol, vous avez de l'huile de ricin. Donc, franchement, niveau composition, j'espère vraiment que ça va être extraordinaire. Parce que je ne vois pas ce qui justifie ce prix. Et je ne vois pas ce qui peut être révolutionnaire dans cette mousse. Parce que pour moi, ça reste que de la mousse pour les cheveux. Au début, je m'attendais pas à une compo comme ça, quoi. Je m'attendais à un truc différent. Et au final, ben non, c'est de la mousse pour les cheveux. Bon, on va voir ce que ça donne, vraiment. Moi, je me demande si quand même ça peut pas être une très bonne mousse pour les cheveux et si ça peut pas améliorer l'apparence de mes cheveux au niveau des longueurs, sachant que c'est bien marqué que c'est un après-shampoing sec, sans rinçage, donc ça devrait pas faire un effet normalement cheveux mouillés, cheveux groupés. On va vraiment voir, hein. Là, bon, je ne pourrai vous donner mon avis sur ce produit qu'après avoir testé celui-ci. Alors, je vais quand même vous lire ce qui est marqué dessus. Donc, moi, j'ai pris bien sûr la version blush qui est un parfum floral et féminin. Il existe aussi la version originale qui est citronnée. Je trouve personnellement qu'elle a une odeur horrible. Donc, j'ai la version blush. Alors, j'ai pas pris la version blush, mais Monsieur Botterner m'a appelé au téléphone. Il m'a dit lequel je prends et je lui ai dit prends la version blush. Vous aurez compris. Bref, de toute façon, ce qui est à lui est à moi, ce qui est à moi est à lui. C'est comme ça dans les couples. Au parfum floral et féminin, cheveux secs ternes emmêlés entre deux shampoings. Ne cherchez plus. Cette formule d'après-shampoing sans rinçage est spécialement conçue pour être appliquée sur les cheveux lorsqu'ils sont secs. Donc, ne mettez pas ça sur cheveux humides déjà. Ça serait du gâchis, vu le prix et vu la quantité de produits.
Sa mousse aérienne pénètre facilement et rapidement pour démêler et transformer les cheveux jusqu'aux pointes en laissant une sensation de douceur, de brillance et le tout sans rinçage. On a compris, c'est la deuxième fois que c'est marqué. Idéal pour les jours sans shampoing, les cheveux ont l'air waouh de haut en bas. Alors du coup ça m'a permis de capter quelque chose, quand même j'ai capté quelque chose suite à la comparaison de ces deux produits, c'est que dans les mousses pour les cheveux classiques, il y a également des polycaterniums, silicone, ce genre de choses, et donc ça démêle aussi. Ah, donc au final, qu'est-ce que ça fait de plus? Ça, j'en sais rien, vraiment. Ça donne des cheveux waouh de haut en bas. Alors de haut en bas, du coup, je me suis dit, ben, on met ça aussi en racine, comment ça fonctionne? Non, pas du tout. Il y a 4 étapes ultra simples. Ils nous prennent un petit peu pour des benets, hein. Donc, 1. Secouer pour réveiller la magie. Oui, enfin, on secoue, quoi. 2. Presser une petite quantité dans la main et frotter entre les pommes pour activer la formule. Je prends un tout petit peu de mousse, je frotte dans mes mains. J'espère que la mousse va quand même rester en format mousse dans mes mains. Je ne sais pas. 3. Passez vos mains sur les longueurs et les pointes de vos cheveux secs. On aura compris que c'est sur cheveux secs. Mais ça, c'est bien de le préciser, parce que ça ne doit pas faire le même effet sur cheveux humides. Et enfin, 4. Réappliquer du produit autant de fois que nécessaire. Mais dis donc, ça va pas être économique tout ça. Coiffez et voilà, vous êtes au top. Ah, donc ça sèche instantanément? Non, parce qu'en deuxième position, je vous ai pas dit, mais troisième position, vous avez de l'eau, du butane et de l'alcool. Hein. De l'alcool des nattes. De l'alcool, quoi. C'est pas un alcool gras, hein, c'est un alcool classique. Dans les cheveux, l'alcool classique, c'est ce qui doit sûrement donner l'effet volume et cheveux propres, peut-être, parce que l'alcool, ça doit dissoudre les graisses, j'en sais rien. Mais franchement, là, je me pose beaucoup de questions sur ce produit. Alors, pssst, le savez-vous? Pour des cheveux encore plus waouh, utilisez cette mousse après shampoing, après l'utilisation de notre shampoing sec. Oh, bah tiens, c'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai plus beaucoup de shampoing sec Baptiste hein, chez moi, parce que c'est pas mes préférés. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de poudre de riz à l'intérieur, donc ça a tendance à faire un effet un petit peu grisâtre sur les cheveux. Néanmoins, j'ai un fond de Marrakech que j'aimais beaucoup au niveau de l'odeur, et j'en ai un autre qui est un petit peu moins vide, mais c'est la fin aussi. C'est le Tropical. J'aurais pu racheter le shampoing sec blush de chez Baptiste, mais comme vous pouvez le constater, j'en ai plein chez moi, des shampoings secs, et encore, je vous ai sorti que les shampoings secs de la marque Baptiste. Après, j'ai d'autres marques hein, de shampoing sec chez moi, donc vraiment pas besoin d'en racheter. Hein. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait d'associer l'après-shampoing blush avec le shampoing sec blush pour éviter les mélanges d'odeurs. On est d'accord. Notre promesse. Finition invisible. Ça, je demande à voir. Parce que la mousse, ça se voit hein, quand on en met, sauf si on brosse les cheveux une fois les cheveux secs. 2. Absorption rapide. 3. Formule non grasse. Pour tout type de cheveux, facile d'application et vegan. Et voilà, c'est tout ce qu'on a sur ce produit. Donc ça nous promet des cheveux doux, brillants et faciles à démêler. Application sur cheveux secs. Oui, a compris, hein, parce que c'est après shampoing sec, c'est sur cheveux secs. Et voilà, c'est pour de la fraîcheur entre deux shampoings. Bah écoutez, on va commencer par le shampoing sec du coup, que je vais faire uniquement en racine. De toute façon, c'est un peu comme les shampoings classiques. Quand on met du shampoing sec en racine, il y a tendance à avoir un petit peu de poudre qui tombe également sur les longueurs. Donc ça va tout simplement et bien aussi agir très légèrement sur les longueurs. Puis quand vous allez brosser, la poudre qu'il y a en racine, elle va descendre sur les longueurs. Ensuite, je vais mettre l'après-shampoing sans rinçage, mais là, je vais surtout le mettre sur les longueurs et pas les racines. Vous aurez compris que ça se met sur les longueurs et pas les racines. Et ensuite, eh ben, on verra si j'ai des cheveux waouh. Et il y a du boulot, hein, là. Parce que moi, avoir des cheveux waouh sans les laver, je demande à voir ça, en fait, sans les laver. Ça lave, hein, et sans eau, quoi. Bon, vous m'aurez compris. Bon, allez, je vais essayer de voir déjà s'il y a du Marrakech. J'entends qu'il y a un peu de liquide dedans. Alors ça, ces shampoings-là, surtout, il faut super bien les agiter hein, parce qu'il y a toute la poudre de riz qui est dans le fond du bidon, comme il disait chez L'Oréal dans les années 90. Et ben, si vous agitez pas, ça fonctionne pas bien. Hein. Alors, je le rappelle, c'est Oriza Sativa Starch. Donc, c'est bien de l'amidon de riz hein, qui est à l'intérieur. Voilà. Et la poudre de riz, c'est fait avec l'amidon de riz, d'ailleurs. C'est pas du riz qu'on mixe, hein. Sachez-le. Bon, j'ai bien agité. Ben, écoutez, on va essayer.
Ah. Alors, il y a du gaz propulseur, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a de la poudre? Bon, celui-ci, c'est bien ce qui me semblait. Il est fini. Ah ben non, il y en a un peu encore. Ouais non. Ah, quoique. Peut-être qu'il faut encore agiter. C'est la fin. Hein. Non. Bon, je vais prendre le deuxième. Celui-là, c'est bien ce qui me semblait. Il est vide. Pourtant, il y a encore pas mal de gaz propulseur, mais il n'y a plus de poudre. Donc sans poudre de riz, ça fera pas grand-chose dans les cheveux. Là, j'ai le tropical. C'est parti. On agite le tropical. Le tropical, il en reste un peu plus. Alors c'est la fin aussi, mais il reste peut-être un quart de l'aérosol. J'espère qu'il y en a assez. Hein. Voilà, vous voyez ce que c'est censé faire. Là, on voit bien qu'il y a de la poudre. Hein. Donc c'est parti. Alors je vais pas en mettre de trop non plus. Hein. On va en mettre un peu derrière quand même. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que comme ça fait un moment que j'ai pas utilisé ces produits, la poudre de riz se trouve collée à l'intérieur du flacon. Bon là, de toute façon, j'en ai largement assez, je pense. Surtout qu'on n'est pas là pour tester le shampoing sec Baptiste. Mais on est là pour... Ah là, il y en a encore un petit peu. On est là pour tester l'après-shampoing sec. Bon. J'ai mis de la poudre dans mes cheveux et je vais maintenant masser un petit peu comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien le shampoing sec? Tout simplement parce que ça va texturiser le cheveu, donner du volume, voyez, au niveau des racines. Et quand vous avez les racines grasses comme moi, c'est vraiment eh bien, quelque chose d'idéal, voyez. Donc je masse un peu au niveau... des racines et normalement il faut brosser après. Alors est-ce que je brosse maintenant ou est-ce que je brosse après l'application de l'après-shampoing sans rinçage? Ça c'est une bonne question et alors je voulais aussi vous dire un truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'explications sur l'après-shampoing sans rinçage. Baptiste, je ne sais pas s'ils ont une chaîne YouTube officielle, mais j'ai pas trouvé de mode d'emploi vraiment... J'ai pas cherché beaucoup non plus, mais j'ai quand même cherché là pour le coup. J'ai quand même passé quelques temps à chercher. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce produit, donc bon, je vais brosser une fois avant. Et après, on va voir surtout ce que ça fait sur les longueurs. Mais vous voyez déjà le shampoing sec Baptiste. Moi, j'en ai mis très peu parce que j'en ai plus beaucoup dans mes flacons. Même si ça me semble bizarre parce que celui-ci, on entend clairement qu'il y a encore du liquide. Hein, mais à mon avis, c'est la fin des haricots. Bref. Même en mettant très peu, il y a tellement de poudre à l'intérieur, vous voyez, c'est déjà efficace. C'est ce que je vous disais. Et moi, c'est ce que je regrette un peu avec les shampoings Baptiste, c'est que je trouve que ça dépose trop de poudre. Je préfère une diffusion plus fine. Mais au moins, ça, c'est économique parce que vous en mettez deux pchites et ça fonctionne. Bon, allez, on brosse. Oui, je fais durer le suspense parce qu'il faut laisser agir un petit peu hein, la poudre de riz. Voilà. Et donc, vous voyez, si je brosse légèrement comme ça, on voit que c'est regonflé. Au niveau des racines, ça va pas rester gonflé longtemps, tout simplement, parce que je vais transpirer du cuir chevelu, etc. Mais, bon, on voit qu'il y a du volume, quoi. Quand même, ça a fait quelque chose. Je ferai marrer sur le côté à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas, là, pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agiter l'après-shampoing sec. Alors, j'aurais pu pousser le vis et mettre sur la moitié de ma tête l'après-shampoing sec sans rinçage de chez Baptiste et de l'autre côté de la mousse classique pour les cheveux. Mais je vais pas le faire. Non. Parce que je suppose, en regardant la composition, que je sais déjà quel résultat on va obtenir. Donc, bon. Je pense que j'ai assez dit ce que je pensais, hein, au niveau de ce produit, du prix, etc. Je vais peut-être être surpris, choqué. Mais sachez-le, à mon avis, prenez une mousse classique, ça fera bien l'affaire. Bon, alors, j'ai bien agité, vous êtes témoin. Oh là, il y a beaucoup de pression. Hein. Ça sent bon, par contre. Ah, ça sent bon. Allez, produit Baptiste, sent bon. Alors, il faut activer, vous voyez, en frottant ses mains comme ça. Mais moi, je vais pas trop frotter parce que sinon, la mousse, elle disparaît. Regardez, il n'y a plus de mousse, il n'y a plus que du liquide. Et donc, on met ça dans les cheveux.
Ok. Ok, bon, j'applique ça sur mes longueurs. Moi, je vais essayer de donner un petit peu de mouvement, un petit peu de boucle. Ouais. J'ai l'impression de ne rien avoir mis dans mes cheveux. Déjà, au niveau des longueurs, là, c'est complètement... Alors, ce côté-là, il y a un petit quelque chose. Mais comme on nous a dit, il faut en reprendre et en remettre. Pas économique comme produit, hein. Vraiment. Hein. Alors, moi, je vais juste répartir un peu la mousse dans mes mains comme ça, mais j'ai pas envie. Vous voyez, c'est pas une mousse qui se tient. Je préfère mettre la mousse, moi, dans mes cheveux directement. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai qu'habituellement, moi, quand je mets de la mousse, je prends la bombe et vas-y que j'en mets plein. Parce que c'est économique. Là, comme c'est pas économique, j'en prends très peu à la fois. Hein. Vous comprendrez pourquoi. Mais ça a l'air d'aller bien. Voilà. Est-ce que ma théorie sur la recherche et le développement serait-elle juste? Parce que franchement, alors là c'est mouillé, hein, on est d'accord, mais est-ce que j'ai un petit mouvement qui se forme dans les cheveux? J'ai l'impression que oui. Alors bien sûr, j'en ai pas mis derrière. Donc est-ce qu'il faut en reprendre pour en remettre derrière? Ben, il faudrait. Hein. Par contre, effectivement, là pour le moment... J'ai l'impression que ça mouille quand même un peu le cheveu. Hein. Va falloir attendre que la mousse, elle, sèche. Comme toutes les mousses. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre un petit peu... derrière, mais je me rends compte que là, il faudrait peut-être en remettre un petit peu sur les pointes aussi, les longueurs. Regardez-moi ça, là, on voit que ça n'a pas agi. Ce côté-là, j'en ai mis plus, visiblement, sur les pointes. Et voyez, ça agit. Allez. Bon. Hop, voilà, j'en mets un petit peu plus sur les pointes ici. Le problème, c'est que cette mousse, elle disparaît quand même, hein, assez rapidement dans les mains, vous voyez. Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça mouille un peu moins que la mousse classique. C'est vrai que c'est pas complètement la même texture, parce que la mousse classique pour les cheveux, ça ne disparaît pas comme ça, vous voyez. Là, si j'en mets, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu comme ça dans mes mains. Si je frotte mes mains comme ça, la mousse disparaît complètement. Alors que... les mousses pour les cheveux classiques, ça ne disparaît pas comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pas la même texture. Mais à coup pas, c'est pas la même texture. La compo est similaire. Et alors, vous allez me dire, oui, mais l'effet, le rendu, qu'est-ce que ça donne? Ben, le truc, c'est que je vais devoir attendre que ça sèche un petit peu, quoi, pour donner mon avis. Donc, je pense que je vais faire une petite coupe. Voilà. Et je vais attendre que l'humidité s'en aille. Parce que tant que c'est pas sec, on pourra rien faire dans les cheveux. Hein. Clairement. D'ailleurs, ce côté-là, ça fonctionne beaucoup mieux que ce côté-là. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que j'ai envie d'en remettre une dernière fois ici? Je vois vraiment qu'il y a une mèche ici, là où c'est sec, où il n'y a rien. Mais la mousse, elle disparaît tellement rapidement que effectivement. C'est un peu compliqué cette histoire. Je vais en mettre directement sur cette mèche là. Au moins je suis sûr que cette mèche là sera bien imbibée de produit. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand je l'applique... Voilà, ouais, vous avez vu. Ah bah limite c'est mieux comme ça, comme un mode d'application. Moi je trouve que la mousse elle disparaît peut-être quand même un petit peu trop rapidement. Hein. J'aurais préféré une mousse qui se tient un peu plus parce que du coup c'est pas facile à appliquer quoi. Il faut aller très vite parce que sinon c'est vos mains qui en profitent et c'est déjà sec sur les mains qu'on n'en a pas encore mis sur les cheveux quoi. Bon, donc vous aurez compris, on va laisser sécher ça parce que oui en fait ça sèche pas instantanément. Hein. Et bah, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je vais revenir et je vais eh bien tout simplement... essayer de me coiffer, c'est-à-dire que je vais passer un petit peigne spécial boucle, comme ça. Je vais faire une raie sur le côté et je vous donnerai mon avis sur le sans rinçage Baptiste. Mais j'avoue que ça a l'air pas mal quand même. Mais c'est un petit peu cher quand même quand on regarde la composition. Ce produit-là, il aurait été 1 euro de moins. Je dis pas de le vendre à 3 euros, hein, mais 5 euros. Entre 4,90 et 5,50 euros, j'aurais dit que c'était une pépite. Franchement, j'aurais dit... c'est une bonne mousse pour les cheveux, légère, ça colle pas, c'est vrai que ça colle pas quand on l'applique, ça a l'air de sécher assez rapidement, mais là, 100 ml, 6 euros pour du silicone et de l'amidon, sachant que de la maïzena j'en ai dans ma cuisine et que ça coûte pas ce prix-là,
c'est un petit peu cher, donc on a le droit d'être plus exigeant quand on paye plus. Et pour le prix, là, pour l'instant, je demande à voir après séchage du produit. Bref, on patiente un quart d'heure et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Et hop, me voilà de retour quelques minutes après l'application donc du après shampoing sec sans rinçage de chez Baptiste. J'ai du mal avec le nom du produit parce que moi j'ai envie de dire la mousse Baptiste quoi. Mais bon, c'est pas vraiment la même texture que les mousses coiffantes. Après au niveau de l'effet, ça a l'air d'être un peu plus léger que les mousses coiffantes. Oui, mais voilà, j'en ai mis moins aussi. Donc bon, ceci explique peut-être cela. Néanmoins, ça a l'air pas mal et ça a séché assez rapidement. Alors là également, ça sèche plus rapidement que les mousses classiques parce que aussi j'en ai mis moins. Peut-être qu'en prenant une mousse classique et en en mettant très peu, on a le même résultat, je ne sais pas. En tout cas, là je vais prendre mon fameux peigne et je vais passer ça dans mes cheveux. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Ah, c'est bien. Alors je vais pas trop non plus passer le peigne parce que le but moi c'est de garder un petit peu de volume et d'ondulation. Mais... je dois dire que c'est vrai que mes cheveux déjà se sont démêlés très facilement. Je vais faire pareil de l'autre côté, sachant que ce côté-là boucle beaucoup moins. Je pense que c'est parce que c'est le côté sur lequel je dors. Donc, on va continuer comme ça. Ah, c'est un petit peu plus emmêlé là. Pourtant, j'en ai mis plus du produit. Est-ce que du coup, j'en ai pas trop mis? Ah, ça c'est une bonne question. Mais effectivement, on a un résultat qui est pas mal. Déjà, ce que je tiens à vous dire, c'est que ça sent super bon. Ça, je le précise. Après, ça démêle quand même bien les cheveux. Ça, c'est pas mal. Bon, après, il y a aussi des sprays démêlants sans rinçage. Hein, sous ce format-là. Ça, c'est, je vais prendre un vrai spray démêlant, sinon les gens vont plus rien comprendre. Ça, voilà. Bon, ça démêle bien aussi, hein. Bon, mais c'est vrai que ça démêle le cheveu, ça le rend doux, il y a un peu de brillance. Et surtout, bah, le gros avantage, c'est que ça sent super bon. Alors ça, par contre, ça sent super bon. Je trouve même que la mousse après shampoing sec sans rinçage sent meilleur que le shampoing sec. J'ai déjà testé par le passé le shampoing sec blush de chez Baptiste. Moi, je trouve que dans les shampoings secs de chez Baptiste, il y a toujours une arrière-odeur poudrée. C'est peut-être l'odeur de l'amidon de riz. Hein, bon... mais, bon, là, l'odeur est vachement meilleure et mes cheveux sentent. Et ça sent bon, et c'est frais, et c'est pas entêtant comme odeur, donc ça, c'est cool. Alors, niveau racines, bon, oui, si, j'ai du volume avec le shampoing sec. J'aurais peut-être dû en mettre un peu plus, mais je suis out of stock, voilà, en rupture de shampoing sec Baptiste chez moi et je voulais vraiment tester le shampoing sec Baptiste avec cette mousse hein, pour pas qu'il y ait d'interférence entre les produits mais quand même, voyez, même avec très peu de shampoing sec Baptiste, comme il est très chargé en poudre de riz, en amidon de riz, eh bien il y en a largement suffisant. Regardez, là on voit quand même qu'il y a du volume hein. Et les cheveux quand même se tiennent bien. Ce qui est surprenant, c'est que les cheveux quand même se tiennent bien. Est-ce que j'ai envie de dire que c'est un produit qui me plaît et que c'est plutôt un crash test réussi? Bah écoutez, ça marche quand même bien ce truc. On peut pas dire en un rien de temps, parce qu'en plus là j'ai vraiment pris mon temps pour tester le produit, parce que je vais pas vous faire une vidéo qui dure 30 secondes, mais franchement c'est le genre de truc qui permettrait de faire un short qui dure uniquement une minute et qui montre l'efficacité du produit, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais... bah quand même, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal dans mes cheveux. Et surtout, ça fait moins un effet gonflant comme ça, vous savez, sur les côtés, là, l'effet frisottis, électrique. Il n'y a plus du tout ce côté-là. J'ai toujours les cheveux fins, hein, ça ne va pas transformer les cheveux. Mais, ben ouais, en fait, parfois, quand je lave mes cheveux, ben j'ai à peu près un résultat similaire, hein. Alors que je les ai lavés avec de l'eau et j'ai fait un masque, bon, il n'y a pas grande différence, hein. Regardez-moi ça. Non, franchement, je suis convaincu. Alors oui, je ne comprends pas comment ça fonctionne, parce que la composition, elle est similaire aux autres mousses. J'ai envie de dire, c'est comme en cuisine. Si tu as des œufs, du lait, de la farine, du beurre, tu peux faire un 4 quarts. Et tu peux faire des crêpes aussi ou des gaufres. Tu auras les mêmes ingrédients, mais pas du tout le même résultat. Ben c'est ce qui se produit avec ce produit. Oui, c'est ce qui se produit avec ce produit.
C'est ce qui arrive avec ce produit, c'est que on a les mêmes ingrédients quand même majoritairement que dans les autres mousses, mais avec un effet qui est quand même pas vraiment similaire, qui est plus démêlant, moins collant. Bah déjà oui, ça colle pas du tout sur les mains, j'ai même pas lavé mes mains hein, depuis que je l'ai appliqué. Si le matin vous êtes pressé, vous n'avez même pas besoin de laver vos mains. On a de la brillance, avec des mousses classiques on a aussi un peu de brillance, mais on a un côté volume cheveux rafraîchi qu'on a peut-être moins avec d'autres mousses qui ont tendance à peut-être alourdir un petit peu le cheveu. Donc eh ben, c'est incroyable, et finalement bah, la vidéo de Sanana, elle représentait plutôt bien ce produit, parce que c'est vraiment l'effet qu'on obtient. C'est dingue. Si je le vois en promo, je risque de faire des stocks. Pitié Baptiste, arrêtez avec le parfum original et sortez-nous d'autres senteurs, parce que là, si j'ai ça en version, j'allais dire, attendez, parce que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux, c'est bien marqué Marrakech, hein, j'allais dire oriental pour pas heurter la sensibilité de certaines personnes, c'est douceur orientale Marrakech, c'est bien le nom du parfum, mais alors ça, en version mousse, ça doit être une dinguerie. Parce que même si on a plus, je sens encore l'odeur, c'était vraiment mon odeur préférée chez Baptiste, et ça doit être pour ça que j'ai pas acheté le flacon, hein, parce que j'adore cette odeur, mais enfin, je pense qu'il va falloir mettre ces flacons-là quand même dans les produits terminés. Et si vous avez testé, eh bien sûr, la mousse sans rinçage de chez Baptiste, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, franchement, ouais, si on m'appelle en dernière minute, à l'arrache, et qu'on me dit, est-ce que tu veux sortir ce soir, et que j'ai pas le temps de laver mes cheveux, un petit coup de shampoing sec, un petit coup de mousse comme ça, et ben ça fait l'affaire, et personne vous dira ah, ça fait deux jours qu'il a pas lavé ses cheveux, ou ah, qu'est-ce qu'il a les cheveux gras, ou ah, qu'est-ce qu'il transpire du cuir chevelu, ou ah, non, pas du tout. Voilà mon avis sur le shampoing sec de chez Baptiste, un produit que j'ai été prête à détruire. Vous l'aurez compris en début de vidéo, et qui finalement, ben, fonctionne, et clairement, je le redis, la texture n'est pas pareille que de la mousse pour les cheveux classiques. Là, la mousse disparaît directement dans les mains, c'est vraiment une texture différente. Donc il doit y avoir de la recherche derrière, et c'est pour ça qu'il est un petit peu cher. Mais quand même, bon, hein, en ces temps d'inflation, ça reste quand même un peu cher, même s'il faut payer la recherche et le développement de nouveaux produits chez Baptiste. Voilà. Je tiens à signaler, bien entendu, que je ne suis pas en partenariat avec la marque, même si beaucoup d'influenceurs l'ont été. Vous vous doutez bien que Baptiste ne va pas m'appeler moi pour tester leurs produits, même si au final, on se rend mieux compte de ce que donne le produit sur mes cheveux, parce que mes cheveux, ils sont loin d'être comme ça d'habitude. Non, moi c'est du 100% maison, voilà. C'est mon chéri qui m'a acheté ce produit parce que j'avais envie de le tester depuis longtemps et j'avais bien raison parce que je pense que ça peut me sauver ma coiffure assez régulièrement. Mais c'est pas Baptiste qui est, eh bien, au courant de cette histoire. On va se retrouver bientôt peut-être pour des découvertes favoris et déceptions, parce que comme à chaque fois, hein, je dis en début du mois, ben, j'ai rien dans mes découvertes favoris et déceptions, puis après je commence à élaborer la liste. À chaque fois que je croise un produit que j'ai envie de mettre dans mes favoris ou dans mes déceptions, je l'ajoute à la liste, et puis ben, en 2-3 jours, et en regardant autour de moi, je me rends compte que j'ai quand même découvert pas mal de choses, notamment des super bonnes tisanes. Qu'est-ce que j'ai encore mis dans mes découvertes favoris et déceptions? Une application. Je cherchais, parce que je l'ai ajouté tout à l'heure, une application mobile qui m'a pas du tout convaincu. Bref, ça sera la prochaine vidéo, je pense, parce que il y a de quoi papoter encore pendant au moins une heure. Et puis ensuite, eh bien, je pense qu'on va s'amuser pour la vidéo de dimanche avec des petits phares. Alors, ils sont là, hein, des petits phares qui m'ont été offerts par une abonnée. Et effectivement, ces petits phares-là, j'ai envie de les tester humides pour faire un petit peu comme des phares aquarellables. Alors, je sais pas du tout si ça va fonctionner. Attendez, j'en sors un, là. Ah, je m'étais trompé de boîte. Ces petits phares sont dans une autre boîte. Et j'ai trop de boîtes. C'est des petits phares comme ça. Alors, il y en a des pailletés. Mais maintenant, on fait des liners pailletés en forme aquarellable. Hein. Il y en a des mats, des nacrés. Là, j'ai encore pailleté. Là, j'ai nacré. Là, j'ai pailleté. Et je me demande si on peut pas faire des petits trade liners et
dessin sympa avec ce genre de fard monobule que je réserverai justement du coup uniquement pour cette utilisation. Alors mon projet c'est de les essayer mouillés avec de l'eau classique, mais pourquoi pas aussi d'essayer avec un fixateur de maquillage comme on faisait à l'époque, puisque dans le temps c'est ce qu'on faisait et on s'en sortait très bien et on n'avait pas besoin d'acheter eh bien vraiment des fards aquarellables pour les utiliser comme liner. Est-ce que ça va partir en maquillage style vraiment graphique ou est-ce qu'on va rester dans du maquillage plus simple? Je ne sais pas encore, je verrai suivant l'inspiration du moment. Est-ce qu'on va essayer de faire un maquillage style libellule ou pas? Je ne sais pas, mais ça sera la vidéo de dimanche. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.